Bonjour les amis, amis du monde entier, de tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de mars. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage du mois d'avril, mais spécifiquement le tirage sentimental. Déjà, je voulais vous présenter mes excuses parce que j'ai dû m'absenter pendant un certain temps. Donc, je n'étais pas au rendez-vous, je suis absolument navrée pour mes abonnés. Mais voilà, me voilà de retour, ce sont les aléas de la vie. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Alors, allons-y. On va aller voir à qui on va consacrer ce tirage. Il n'en reste plus beaucoup. Hop. Bélier, c'est votre anniversaire. Très bon anniversaire à tous nos amis béliers. Élancez-vous, osez, agissez. Ça, c'est la force du bélier. Alors, petite surprise. À partir de maintenant, j'ai décidé d'offrir un tirage d'anniversaire selon les mois correspondants au signe correspondant. Du coup, bonne nouvelle, aujourd'hui je vous consacre un tirage, j'offre un tirage, malheureusement je ne peux pas en offrir 100 000, ce serait impossible. Donc j'offre un tirage d'anniversaire à une personne qui m'aura laissé un message, voilà, en me demandant le premier message, en me demandant ce petit cadeau d'anniversaire. Alors, on va aller procéder à votre tirage. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. Que va-t-il en être? Qu'est-ce qui se profile sentimentalement pour nos amis béliers pour ce mois d'avril 2023? Chercher. Hop. Qu'est-ce qui se profile sentimentalement pour nos amis béliers pour ce mois d'avril 2023 pour une nouvelle année? Hop. Pour ce mois d'anniversaire. Alors, il peut être question aussi, vous êtes bélier, il peut être question aussi de fin mars, hein, on est d'accord, pour l'anniversaire évidemment. Qu'est-ce qui se profile pour nos amis béliers pour ce mois d'avril 2023? Ce mois d'avril, ok, elle voulait sortir. Ce mois d'avril 2023 pour nos, merci, nos amis béliers. J'espère que vous allez passer un très bon mois sentimentalement. Qu'est-ce qui se profile pour nos amis béliers pour ce mois d'avril? Sentimentalement, ce mois d'avril 2023. Hop, hop, hop. Dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, homme. Ok. Bon, alors ici, on voit qu'il est question d'un homme qui projette vers l'avenir, qui est avec le 2 de bâton, on est sur l'idée d'évaluation de la situation. On évalue la situation. Donc, soit il s'agit de vous qui êtes un homme, soit il s'agit de votre compagnon, visiblement, qui est en train d'évaluer une situation. Soit cette personne avec le 7 d'épée, il est question de petits mensonges d'arrangement, de trahison,
Alors, soit il est question en effet juste de petites trahisons, de petits mensonges, d'arrangements, soit il est question de sentiments de trahison. Voilà, il est possible que cet homme en question ou que vous, en train d'évaluer la situation, vous soyez pas très au clair avec vous-même. Ou que cette personne ne soit pas très au clair avec elle-même et donc avec les autres. Bon, mais il y a une vie. Oh, 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 ça commence dur, mais ça poursuit fort. Bon, alors, on peut nous dire ici que, en effet, peut-être qu'il est question de difficultés pour commencer. Là, on est un peu dans l'ordre chronologique, bien qu'après on fait une synthèse de la totalité, mais on est dans un ordre chronologique de gauche à droite. Il peut être question ici d'un homme qui en effet évalue une situation, qui peut se sentir trahi ou qui peut lui-même essayer de trouver une situation, comment dire, des manières de sortir de cette situation qui l'embarrasse. Et ici, on voit la victoire avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le grand renouveau, c'est le grand amour. On voit avec le cavalier de coupe vous allez recevoir une déclaration de quelqu'un ici avec cette carte. Plus l'as de coupe, c'est énorme. L'as de coupe, c'est le grand amour. Avec l'as, on est aussi sur le début. Donc, c'est peut-être que là, vous êtes dans des difficultés et que vous allez avoir la victoire sur ces difficultés et retrouver ce grand amour et voir cette personne revenir à vous avec beaucoup plus d'entrain. Ou alors, vous êtes dans des difficultés avec une personne, ou alors vous êtes un homme qui est dans des difficultés. Et ici, on voit victoire, donc on imagine que c'est la victoire sur cette situation, sur cette relation qui est difficile pour le moment. Ou alors, pour d'autres, on peut aussi imaginer qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre avec l'as de coupe et une déclaration d'amour. Voyons voir. Mais avec la victoire, on a tendance à penser qu'il s'agit de la même relation, que là, on part vraiment sur des difficultés qui vont s'arranger. Bon, c'est pas simple pour vous, ami Bélier, quand même. Il y a beaucoup d'amour, mais on sent qu'il y a de la culpabilité ou de la culpabilisation d'une personne ou d'une autre, vous transposez selon votre situation. On sent qu'il y a soit des petits mensonges d'arrangement, soit un sentiment de trahison, soit une trahison factuelle, d'où peut découler cette culpabilisation, ou une culpabilisation qui vient d'ailleurs, et c'est pour cette raison que cette personne-là, cet homme serait en difficulté, évaluerait la situation et serait un petit peu à mal. En tous les cas, on voit avec le 9 de Pentacle une femme qui est dans une énergie d'abondance, posée, sûre d'elle. Alors peut-être que cette personne se sent en fragilité face à l'aplomb de cette femme. Ou alors que cette femme, même si elle a cet aplomb, alors soit cette personne culpabilise cette femme, soit l'inverse, parce qu'elle se sentirait trahie, donc transposée. C'est un tirage général, hein, c'est pas évident, c'est pas une personne en particulier avec une vie en particulier. Ici, avec l'as d'épée, il est question d'une révélation, d'une nouvelle idée. Avec l'épée, on est sur l'intellect, on est sur la communication. Voilà, c'est vraiment l'idée de la révélation. Qu'est-ce qui va être révélé à cette femme qui a de l'aplomb? Allons voir les suites. Oh,
Bah dis donc, ça passe. C'est un peu les montagnes russes là. Enfin, c'est. Ouf. Ok. Bon. On sent ici que vous traversez une période difficile, ami Bélier. Difficile, mais pleine d'amour. Alors, soit en effet, là, on traverse des moments compliqués, mais on a la victoire sur cette situation. Mais on a quand même la culpabilisation, la culpabilité. Et ici, on retrouve la joie, on retrouve, il peut même s'agir d'une demande en mariage avec le roi de bâton. Il est question d'un homme qui prend les choses en main. Le roi a cette maturité du roi qui fait que voilà, c'est pas un jeune apprenti, c'est un homme posé, mature, sûr de lui, qui prend les choses en main. Est-ce que cet homme, en l'occurrence, au vu de toutes les difficultés que vous traversez et qui a qui éprouve un grand amour pour vous, parce que ici il ressort encore le grand amour, va en effet vous faire une déclaration, une demande de mariage, vous allez retrouver la joie, et il va prendre les choses en main en ce sens. Ou pour d'autres, il peut être question de en effet, bon, on ne voit pas de séparation, de rupture, mais on voit quand même un nouveau. Là, vous êtes hypersensible, plein d'émotions. On a la victoire sur l'état émotionnel, on se reconnecte à son cœur. Est-ce que cette personne va se reconnecter à son cœur? Et par là même, vous faire revenir à vous et vous faire une déclaration et même peut-être plus. Une prise de conscience sur des questions de culpabilisation, de culpabilité vis-à-vis de cette femme qui est plutôt bien dans sa peau. Voilà, ça c'est une interprétation. Pour d'autres, il peut être question, pour les célibataires par exemple, il peut être question d'une nouvelle rencontre, d'une déclaration, d'une victoire sur peut-être sur un passé dans lequel vous étiez senti trahi par un homme. À travailler sur la culpabilisation. Là, il est possible que vous fassiez un travail inconscient sur les questions de culpabilisation, de culpabilité que vous avez vécues par le passé. On a l'impression que ces deux vont de pair et ces deux vont de pair. Parce que vous avez, là je parle pour les célibataires, parce que vous avez aujourd'hui suffisamment, vous êtes suffisamment aligné pour pouvoir voir les choses clairement. Et avoir une forme de révélation sur ces questions de culpabilité, culpabilisation. Et ici, une fois de plus, il est question du grand amour, du début, d'une rencontre. Et en l'occurrence, si pour les célibataires, il s'agirait d'une rencontre avec un homme assez fougueux, qui prend les choses en main, sûr de lui. Peut-être même un bélier, un sagittaire, un lion. Et en tous les cas, voilà, on voit vraiment avec les deux as de coupe que ça déborde d'émotions, de sensibilité, de connexion au cœur, de joie. Avec cette déclaration, la victoire, c'est un peu les montagnes russes. C'est pas. Le calme plat, mais qu'est-ce que c'est fort en émotion et waouh, ami Bélier, ça va tinguer. Alors, on va aller interroger maintenant les anges de l'amour.
Ok, on va aller chercher. Sentimentalement pour nos amis béliers. Sentimentalement pour nos amis béliers. Et sentimentalement pour nos amis béliers. Alors, pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au présent. Bon, il faut se libérer de cette situation-là, de ces énergies négatives. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, justement. La pensée positive et la foi vous apporte l'amour. Donc, laissez ça au passé. Pensée positive, énergie négative vers le passé. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, ici, on nous dit vraiment qu'il faut se libérer d'énergie négative et croire et se connecter à son cœur, que l'autre se connecte à son cœur. Ici, on a la victoire. Voilà, pardonner et apprendre. Et puis, on va finir par l'oracle des gardiennes du ciel, l'année bélier pour ce mois d'avril 2023. Quel dense tirage, hein. Hop, ami bélier, sentimentalement. Qu'est-ce que nous recommandent les gardiennes du ciel? C'est très belle. Ami bélier, sentimentalement, ami bélier, sentimentalement. Alors, je chausse mes lunettes. La souveraine. Gardez la tête haute, assumez votre grandeur. Elle revient. Elle est là et elle a raison d'être là. Assumez votre grandeur, gardez la tête haute, même si voilà, il y a des peurs, des doutes, des mensonges d'arrangement, de trahison. Vous restez aligné à vous-même, au ciel et à la terre. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Éveil de la conscience. Alors, soit de nouveaux possibles. Ces énergies basses appartiennent à un entourage, à une personne en particulier, et qu'il faut en passer à autre chose. Là, il peut être question pour certains aussi d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre et d'une victoire sur ce passé néfaste. Ou alors, éveillez-vous à de nouveaux possibles. Ça peut être à de nouveaux possibles aussi dans la relation, dans la même relation. Auquel cas, voilà, il faut laisser ces énergies basses de côté et se tourner vers les énergies positives. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La communication, interagissez tel le messager ailé. Bon, on vous recommande de discuter ici pour pouvoir décanter, démêler les choses de manière saine dans tous les cas de figure. Voilà, ami bélier. Waouh, quel dense tirage. Très bon anniversaire une fois de plus. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, un très beau printemps. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné en vous. N'hésitez pas à laisser des messages quand ça résonne et, ou pas. Et c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous avez apprécié la chaîne. Et pour ceux qui se demandent comment faire pour avoir des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous. Vous me laissez un petit message et je vous explique des démarches à suivre. Voilà, à très bientôt, amis béliers. Bon printemps, au revoir.